Bref, à la campagne. C'était le jour de l'indépendance d'Antigua et Barbuda. Je ne sais pas pourquoi je célèbre cette fête chaque année, mais j'ai toujours pensé que c'était de mon devoir. Et maintenant, je suis à la campagne. J'y plante des pommes de terre, je nettoie les cochons et je balaye la grange. Il n'y a rien de honteux. Vous vous demandez sûrement comment j'ai atterri dans un endroit aussi charmant. Vous vous en foutez ? Pas grave, je vous raconte quand même. Mes parents se sont souvenus qu'on a un oncle qui vit à la campagne depuis 10 ans. Et comme la nourriture coûte de plus en plus cher, ils m'ont dit d'aller le voir. Ça s'est passé comme ça. Allô, c'est bon. Tout le monde m'appelle depuis que les prix augmentent. Envoie-moi ton chômeur de fils. Il va planter les patates, ramasser les concombres. Mais je l'ai vécu comme ça. Un kilo de fumier, 3. Vendu! Le nom numéro 228 va voir son oncle à la campagne. Un esclave charmant qui n'exige aucun confort de vie. Au travail! Tiens, à manger! Le lendemain matin, le coq m'a réveillé. C'est comme ça chaque matin, il a un emploi du temps. Il était 5h, tout le monde dormait. Mais il était temps de me mettre au travail. J'ai pris le plan pour la journée. Premièrement, je devais aller en ville pour acheter du pain. J'ai pris l'argent, j'ai pris les clés, j'ai pris une chemise, je me suis pris en main. J'ai pris la voiture, mis la ceinture, j'ai réalisé que j'étais assis côté passager. Je l'ai enlevé, j'ai bougé, je l'ai bouclé, je l'ai fermé, je l'ai repassé. J'étais prêt. Le vent me soufflait au visage. J'ai remarqué une fille sur le bord de la route avec un seau. Je devais l'aider. J'ai freiné brusquement. Un peu trop brusquement. Je suis sorti de la voiture. J'ai proposé de la déposer. Elle a accepté. Je me suis assis. Elle a essayé d'ouvrir la porte, mais elle ne s'ouvrait pas. J'ai décidé de l'aider. Je l'ai tiré par le seau. Puis je me suis souvenu qu'elle s'ouvrait que de l'intérieur. Je suis monté et j'ai ouvert. La fille s'est assise. On a roulé tranquillement. Je la sentais un peu mal à l'aise. Pour détendre l'atmosphère, j'ai allumé les radios. Une chanson tranquille. J'ai éteint la radio. On est arrivé devant le magasin. Je me suis retourné et j'ai dit « C'est bon, dégage !» Je ne lui avais pas demandé où elle voulait aller. C'est pas faux. J'ai donc fait demi-tour. Je l'ai déposé où elle voulait. Je lui ai ouvert, je l'ai salué et je suis rentré. Je suis sorti de la voiture. Stop, j'ai oublié d'acheter du pain. J'en achèterai plus tard. Quoi d'autre sur cette liste ? Chercher de l'eau au puits. Ah, c'est facile ça. J'ai pris le seau. J'ai marché jusqu'au puits. Je n'avais jamais cherché de l'eau de cette façon avant. J'ai pensé logiquement. J'ai un seau et j'ai un puits. Oh, j'ai dû oublier un détail. J'ai commencé à paniquer. Puis j'ai vu une poignée sortir du puits. J'ai commencé à la faire tourner. Un seau est sorti, mais ce n'était pas le mien. Alors j'ai lâché la poignée. Elle a commencé à tourner très rapidement. J'ai voulu l'arrêter. Bref, à suivre. Mes amis, ne manquez pas demain la suite sur la chaîne 1-2. Pour être sûr de ne pas la manquer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche. Vous pouvez également regarder les vidéos précédentes. Merci d'avoir regardé et à demain.